Salut à tous, c'est Captain Falcon et vous l'aurez sûrement reconnu, on est sur Borderlands 2 car j'avais dit sur Facebook et sur Twitter que j'allais, enfin si j'avais demandé si ça vous intéressait, que je commence une aventure suivie sur Borderlands 2. J'ai eu beaucoup de réponses positives, donc c'est pour ça que je commence cette série. Mais je voudrais quand même avoir un second avis, puisque pas tout le monde est sur mon Facebook ou mon Twitter. Je voudrais avoir un avis général par rapport à ceux qui suivent ma chaîne et tout ça, qui sont pas forcément sur le Facebook. Donc un avis vraiment, si ça vous intéresse, parce que là, si ça vous intéresse pas plus que ça, là je pars pour une série de 80 épisodes minimum, étant donné qu'en plus je le fais en parcours 2, donc en difficulté chasseur ultime, pour ceux qui connaissent, donc ça veut dire difficulté hard en fait. Ça va être plus difficile, ça va être sûrement plus long. Donc je pars pour une très très grosse série, puisque je vais faire toutes les quêtes secondaires. Je vais essayer de trouver un maximum de secrets. Bon, je connais déjà un peu le jeu, puisque bon, j'ai déjà fini une fois. Mais voilà, donc vraiment votre avis est très très important, parce que je vais pas me lancer dans une aventure, comme je dis, si ça intéresse personne. Parce que notamment, comme Borderlands 2 est un jeu super connu, enfin il a bien marché, il y a beaucoup de youtubeurs qui le font et tout ça. Si ça vous intéresse pas parce que vous êtes déjà en train de regarder des vidéos de ce jeu là ou si voilà, ben dites moi votre avis quoi, j'ai vraiment besoin de savoir. Donc je compte sur vous à ce niveau là. Il y aura quand même de toute façon deux épisodes parce que j'ai enregistré deux épisodes, donc ça fait à peu près une heure de vidéo, c'est le début du jeu. Et si vous l'avez peut-être remarqué, je suis en voix off en fait, c'est à dire qu'en fait j'ai filmé une heure du jeu, mais ma voix n'a pas été capturée, donc là je vous imagine la grosse déception. Et du coup je recommence la vidéo en voix off, ce que j'aime pas trop faire, mais bon là malheureusement sur Borderlands 2 je peux pas revenir en arrière, surtout en parcours 2, il faudrait que je refasse un personnage et tout ça, et donc c'est un petit peu le bordel. Donc mon personnage, comme vous pouvez le voir, c'est le sniper 0, je suis niveau 34. Et franchement, c'est le sniper reprend vraiment l'esprit de ce qu'on peut retrouver, enfin par rapport au 1 je parle, on retrouve vraiment l'esprit, c'est vraiment le même gameplay. Je trouve que le sniper a pas trop évolué par rapport au 1, comparé à certaines classes qui ont pas mal évolué, notamment la sirène et tout ça. C'est le gameplay change un petit peu, mais le sniper je l'ai trouvé un petit peu identique en fait. Bon, c'est pas très grave en soi. Donc je crois que je vais pas tarder à lancer la partie. Et je ne mettrai pas l'intro du jeu, parce que à cause de la musique, il y a des droits d'auteur et tout ça. Je préfère pas prendre de risques à ce niveau là, mais je peux vous la raconter très brièvement. Bon bah en fait c'est encore comme dans le 1, ça représente les nouveaux chasseurs de l'arche dans un train. Et le train finit par exploser, et on se retrouve dans les débris du train, à moitié dans le coma. Voilà, on se réveille petit à petit. Et pour nous accueillir, comme dans le 1, encore une fois, un claptrap, le seul survivant. Voilà. Il est content. Et encore une fois, comme dans le 1, c'est lui qui nous file le HUD pour avoir l'interface du jeu et tout ça. Il y a pas mal de petits clins d'œil, comme dans le 1. Ça reprend pas mal des principes du 1. C'est vraiment la suite du 1. Il n'y a pas trop. Pas de nouveautés, il y a quand même des nouveautés tout ça, mais ça reste vraiment dans la suite du 1, quoi. Donc vous serez pas dépaysé, donc ça c'est plutôt sympa. Donc en parcours 2, bien entendu, on commence avec tout le stuff qu'on avait à la fin du 1. Donc là j'ai mes deux snipers, j'ai mon pistolet Vladov, j'ai un bazooka. Bazooka, parce que comme je joue tout seul, c'est pour les coups durs. Le sniper tout seul, c'est pas la classe idéale. Donc voilà, donc là c'est l'intelligence artificielle qui nous parle comme dans le 1. C'est voilà, donc elle va nous aider. Bon, je vais pas spoil l'aventure, mais elle va nous aider tout le long de l'histoire. Bon bref, il y aura des coups de théâtre comme on dit. Donc là la première quête, c'est de suivre le claptrap, donc c'est pas vraiment une quête. Et là je vous présentais un petit peu l'interface. Avant de continuer l'histoire, donc la map, les armes, donc 4 emplacements d'armes, on en a que 2 au début, les talents, donc moi je suis spé sniper et j'avais commencé l'aspect bain de sang, c'est l'aspect corps à corps.
Et ça, c'est les niveaux de. En fait, c'est des petits défis à réaliser. Tuer tel nombre d'ennemis et tout ça. Tuer des armes, enfin tuer des mobs avec les armes corrosives, avec les armes électriques et tout ça. Et quand on réussit les défis, on gagne des petits jetons de Brutas à utiliser pour monter des stats. Donc là, je vais l'utiliser pour la santé maximale. Donc ma vie est augmentée de 0,4%. Donc c'est des petits pourcentages. Donc il faut, c'est pas ultra puissant comme truc, mais ça aide bien. Il faut bien choisir les stats à améliorer. Bien sûr, on a toujours droit au bouclier, au mode de classe, au mode de grenade. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc là, je vais commencer un petit peu à fouiller, puisque dans Borderlands, ce qui aime, enfin, ce qui est, fait que le jeu est assez original, c'est qu'il y a plein, plein, bah, notamment les graphismes, bien sûr, bien entendu, il fallait que j'en touche deux mots, mais c'est surtout le fait qu'il y ait plein de coffres à ouvrir. C'est pour ceux qui aiment bien looter les items et tout ça, ce jeu est fait pour vous, car on passe la moitié de son temps à ouvrir des coffres. C'est assez incroyable d'ailleurs. Parce que franchement, si on enlevait tous les coffres du jeu, on terminerait le jeu en un clin d'œil. On passe vraiment beaucoup de temps à comparer les armes, à looter les items, à trouver les secrets, tout ça. C'est vraiment, vraiment super sympa. Et je disais, bah, les graphismes, forcément, très, très cartoon, très dessin animé, ce qui est de nos jours. Pas vraiment très représenté, et celui-là il fait ça mais à merveille, notamment sur la version PC qui est vraiment exceptionnelle quoi. Enfin, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Quand on a le jeu à fond, je précise, pour garder une certaine fluidité pour la vidéo. Donc voilà, rien à dire à ce niveau-là. Pareil niveau bande son, les armes sont bien représentées. Enfin, ça reste pas trop trop réaliste, mais ça reste vraiment vraiment sympa. Toujours une petite pointe d'humour dans les dialogues tout le long de l'aventure. Ça, c'est toujours la marque de Borderlands, l'humour. L'humour assez noir des fois, assez gras par rapport au grand méchant du jeu, le BoJack. Et là, le premier boss qui va enlever le claptrap, le gros Garogo. Donc le Garogo, nouvelle espèce de mob dans Borderlands 2. Pauvre petit claptrap, il s'est fait arracher son œil unique. Et donc la première quête consiste à fouiller un petit peu et de récupérer le flingue que le claptrap va nous donner. Bon, forcément, étant donné que j'ai fini le jeu, j'ai des armes quand même assez sympathiques. Par rapport au parcours 1, notamment un bazooka avec 14 000 de dégâts, ce qui est plutôt rare. Dans le parcours 1, donc les armes du parcours 2 pardon, ne seront pas forcément les meilleures dès le début. Voilà. Donc là, je viens de trouver un petit secret, une icône de l'arche. Et ça, ce qu'on voit, c'est un coffre assez particulier, puisqu'avec les 4, il y a 4 emplacements qu'on peut le voir. Donc je l'ai rempli. Ce seront des items que vous pouvez récupérer à tout moment avec n'importe quel personnage. Donc c'est super intéressant. Dans le 1, ça n'existait pas. Et c'est pour ça que je tiens à souligner cette petite nouveauté qui est fort appréciable. Donc il n'y a que 4 places, hein, c'est pas un truc abusé non plus. Mais c'est plutôt fun. Donc là, hop, on va récupérer l'arme dans le coffre. Donc voilà, un pistolet vraiment basique, sans grand intérêt, mais bon. C'est le début, hein, bien entendu. Mais leur temps est à présent révolu. Donc là, l'ange qui nous parle. Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Je laisse un petit peu écouter les dialogues. Voilà, je suis le héros. Donc l'arme que vous voyez là, le pistolet mitrailleur, donc là, je viens de changer. C'est une arme que j'ai eue niveau 30 et qui est totalement abusée du fait que mon mode de classe augmente la cadence de tir. Vous allez voir quand je vais m'en servir, ça défouraille, ça fait beaucoup beaucoup de dégâts. C'est mon arme de corps à corps favori, on peut le dire. Le Vladov, donc là, bah, on peut toujours encore plein de coffres à ouvrir, bien regarder partout les petites boîtes d'argent, toujours bon à prendre. Alors ici, on a le téléporteur, le voyage éclair, qui permet de changer de zone en un clin d'œil. Pour le moment, bien entendu, j'ai perdu toutes mes régions, mais au fur et à mesure, on va les compléter, et pas de soucis pour ça. Dans le jeu, donc, je parlais de l'argent, l'argent n'est vraiment pas un problème dans ce jeu. Je suis à plus de 200 000 là, et on verra
quand j'irai, enfin, quand je rejoindrai la première ville et la seule en fait, la capitale du jeu, qui s'appelle Sanctuary, on a enfin un système pour dépenser sa thune. Si vous avez déjà vu certaines vidéos, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ferai découvrir ça en temps voulu, si jamais vous voulez que je continue la série. Et donc la première premier vrai affrontement avec les gars robots. C'est parti pour le. Donc là je sors mon sniper Slag comme on l'appelle. C'est un nouveau type d'élément, enfin de type élémentaire d'armes qui n'existait pas dans Borderlands 1, qui met un accent sur le multijoueur. Parce que je vous explique en fait, quand un ennemi est slagué, donc il est violé, là on a pu le voir qu'il est violé, tous les autres sources de dégâts seront décuplées sur la cible. Donc forcément vous voyez là où je veux en venir. Si vous jouez à plusieurs, un mec slague les ennemis et les autres décuplent leurs dégâts, ce qui est assez puissant. Si vous jouez tout seul, il faut slaguer les ennemis et changer d'arme, ça marche aussi, mais bon, c'est beaucoup plus contraignant quoi. Le claptrap qui dit de la merde encore. Donc voilà, donc le slag est assez intéressant en multi, je pense que c'est capital même, surtout par exemple pour les arènes et tout ça. Bon là les mobs sont pas très très puissants, donc vous voyez, en deux cartouches je les mets à terre, donc bon, pas la peine de changer d'arme. Mais c'est super super sympa ce slag, moi j'aime beaucoup. On a aussi de nouveaux types d'armes, notamment qui tirent à l'iridium. C'est des armes assez rares et assez puissantes. J'en ai pas à vous montrer malheureusement, mais bon là je fais un peu le ménage avec mon gros bazooka. Sans arrière-pensée pour les petits vislards. L'iridium qui est assez sympathique. Et c'est la deuxième monnaie du jeu. Donc attention, les armes à l'iridium ne vont pas utiliser vos réserves d'iridium. Hein, ça n'a rien à voir. Mais l'iridium qui permet d'acheter dans la ville Sanctuary des. Je sais plus le nom de tête là, mais en fait c'est ce qui permet de porter plus de munitions, d'avoir plus de grenades et tout, comme on avait un petit peu dans le 1. Donc là c'est avec l'iridium, donc il en faut beaucoup pour tout avoir. Donc là moi j'ai tout acheté, mais je peux assurer que l'iridium il en faut un bon paquet. Ah, et là le beau Jack qui vient nous parler. Donc, je laisse un petit peu écouter, je reviens sur l'iridium après. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc, si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très un beau salopard, ce Jack, mais il m'a fait quand même bien rire de temps en temps. L'iridium à la fin, une fois que vous avez tout acheté par rapport aux améliorations, il faut en garder, faire une petite réserve, donc pour en avoir 99 au max, pour faire la quête ultime, puisque quand vous finissez le jeu, vous avez une quête ultime niveau 50, voilà, il faut de l'iridium pour faire la quête. À chaque fois que vous passez sur le boss, il faut payer en iridium. Voilà. Donc le premier boss, ça va faire mal, le Papa Garogo, qui vous allez voir, ne va pas forcément durer, si je me souviens bien, très très longtemps. Notamment grâce à mon Vladov. Parce que là, je slag, je sors le Vladov et ça mitraille. Quoi. Donc là, forcément, la petite grenade. Ouais, le Vladov qui tire avec une cadence totalement abusée. Voilà. Je l'ai tué en 2 secondes. Encore quelques petits mobs à finir et on récupère l'œil du claptrap, le pauvre. Mais on ne va pas pouvoir lui réparer car on n'a pas les compétences requises pour l'avoir. Donc là, je vais vous montrer en fait pourquoi le Vladov tirait super vite, parce que j'ai une cadence de tir de plus 21%, et déjà que le Vladov tire à une cadence de 11,4, ça défouraille. Et en plus, il fait pas mal de dégâts. Donc si vous l'avez remarqué, ce qui est assez intéressant, c'est par rapport au dialogue. Quand on se trouve loin des personnages qui parlent, ils nous parlent via la radio, enfin ils voient une petite radio, et quand on se rapproche d'eux, voilà, là comme par exemple, on l'entend directement de près en fait, et c'est plutôt bien fait.
J'aime bien ce petit système. Donc là, il est censé nous ouvrir la porte. Et bien entendu, comme c'est un claptrap, il fait que des conneries. Et voilà. Verrouillage de la porte. Donc ça, c'est, on va, ce verrouillage de la porte, on va le retrouver dans le jeu bien plus tard. Donc ça m'a fait rigoler quand j'ai refait ce petit passage. Attends, je m'en occupe. Heureusement que l'ange est là pour nous sauver. Y a pas de quoi. Voilà. Ça aide d'être une intelligence. Elle est plus efficace. Et je là, comme après chaque boss, on a plein de coffres à ouvrir. Donc des munitions, on refait plein de munitions, de santé, d'argent. Donc là, c'est le premier boss, donc forcément, il n'y a pas grand chose. Surtout que la grosse déception quand j'ai ouvert le coffre, j'étais un petit peu dégoûté. Bon, c'est le début du jeu, bien entendu, je m'attendais pas à des merveilles. Mais bon, avoir un fusil à pompe blanc tout merdique, j'étais un peu déçu quand même. Mais bon. Fais-moi signe quand tu seras prêt à rencontrer. Donc là, on rend la quête. Hop, un peu d'XP, un peu d'argent. Et on continue avec le chapitre 2. Les chapitres sont assez courts au final. Et on change de région. Hop, c'est parti. Donc encore une région avec la neige où on va rencontrer le premier PNJ qui va un petit peu plus tard. Le premier PNJ qui va nous filer des quêtes. Et là tout d'abord, voilà, donc là on a une petite vue plongeante, bien sympa. Écoutez le claptrap, il dit il dit encore que des conneries. Donc là le but c'est de tuer les Garogos qui sont pardon, devant la porte de la première pseudo-ville. C'est pas pseudo-ville, c'est une ville en ruine en fait. Donc là je défouraille. Donc mon sniper, vous avez pu remarquer, le deuxième sniper fait des dégâts purs et il n'a pas de lunettes. C'est un sniper que j'adore, qu'on a assez tard dans le jeu. Mais finalement je l'ai gardé tout le long de la partie. Puisque en dégâts bruts, c'est le sniper le plus puissant en parcours 1, puisque, en tout cas de ce que j'ai trouvé, puisqu'il fait 2200 et quelques de dégâts. Donc en sniper pur, c'est le plus puissant. Et du coup, avec le. Bon, là je l'ai pas trop utilisé, parce que bon, je voulais vite en finir avec les Garogos, donc j'ai sorti l'artillerie lourde. Mais quand on slag avec le sniper, quand je slag avec le sniper et que je switch de snipe, ça peut faire très mal. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là je le termine, donc le claptrap a été défendu avec succès. Donc là les bandits envolent à ma vie, mais je vais pas me laisser faire. Et là j'ai utilisé un petit glitch, enfin c'est pas vraiment un glitch, mais je me suis dit est-ce qu'on peut tirer à travers les murs, en fait à travers les trous du portail à moitié démonté là. Et vous allez voir qu'on peut en fait, mais ça passe pas à chaque fois. Donc là je vois qu'il y a un bandit derrière en fait, et je dis ah mais est-ce que je peux me le faire? Et on peut. Mais vous allez voir que certaines balles, ouais, comme celle-là, là elle passe plus là en fait, peut-être parce que j'ai tiré trop bas. Du coup ça a tapé le. Ça a tapé la ferraille. Mais on peut, donc c'est bon à savoir. Hein. Donc là, boum, plein de tête. Headshot comme on dit. Donc là bon bah la ville a. À nettoyer, donc j'essaye au maximum de mettre. J'essaye au maximum de mettre des têtes, donc lui il était à moitié buggy derrière le truc là, des fois ça arrive malheureusement. Je vais justement en venir à l'IA des mobs qui de temps en temps, disons, n'est pas au top de sa forme. Certains mobs font un petit peu n'importe quoi. Certains, vous voyez, essaient de se planquer, de faire des embuscades. D'autres sont là au milieu de la map. C'est pas trop qu'est-ce qu'ils font. C'est un petit peu illégal, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, là, j'aurais pas la réponse. Mais je trouve que c'est assez inégal. Ouais, lui, il est en train de me shooter, il est en plein milieu. Même pas, il se met à couvert, rien. Enfin, il se prend quasi une balle de snipe, les gars. Il bouge pas. C'est bon. Ça rend pas le jeu mauvais, attention, loin de là. Mais voilà. Donc là vous avez pu voir une grenade, enfin ma grenade, qui est mon style de grenade préféré. Donc il y a plusieurs types, donc là j'ai l'élément feu,
qui est un bon élément contre les humanoïdes. Mais si vous avez vu, ça a fait une genre d'aspiration avant l'explosion qui a attiré tous les mobs sur la grenade. Et du coup, ils sont obligés de se la prendre. Donc c'est super super sympa. C'est mes modes de grenade préférés. Comparé à celles qui se téléportent, celles qui rebondissent. Ouais, bof. Celles qui attirent les mobs, c'est super sympa. Donc là, j'avais raté le coffre d'argent. J'étais remonté sur le toit. Voilà, donc là, Hammerlock, le premier PNJ. On va aller tout de suite le rencontrer. Et comme ce pauvre Claptrap n'y voit plus grand chose, il va se prendre le portail. À haute tension, le pauvre. Bam. Sympa, donc là il est complètement KO. Hop là, petite cinématique. Et Hammerlock en chair et en métal, vu son bras. Je suis sur Hammerlock. Donc on aura toujours des petites cinématiques à chaque nouveau perso, ce qui est plutôt sympa, un petit peu comme dans le 1 en fait, on ressent vraiment les idées qui ont été reprises pour ceux qui ont joué au 1. Et en parlant encore du 1, je dois dire que... Je dis pas attention que Borderlands est un mauvais jeu, je l'ai adoré du début à la fin. Mais à cause des DLC du 1 qui sont totalement épiques, j'ai quand même tendance à préférer le 1 pour le moment. Car dans le 1, les DLC, il y a des passages tellement épiques que je m'en souviens encore maintenant. Quoi. Enfin, c'est vraiment trop énorme. Et j'attends beaucoup, je suis pas très fan de l'achat de DLC et tout ça. Mais je dois avouer que les DLC de Borderlands 2 sont vraiment de qualité et rajoutent tellement de trucs que pour le prix ça reste assez raisonnable. Et donc s'ils sont aussi prometteurs que le 1, je pense que bon, je me laisserai tenter par les DLC, ce qui est assez rare. Mais bon, aussi, voilà, c'est Borderlands en même temps. Ils en sortent pas un tous les ans. Celui-là, on l'a attendu. On l'a attendu depuis fort longtemps, presque 2 ans, si je dis pas de conneries. Du coup, bon. J'ai vraiment envie d'en profiter à fond. Voilà pour la petite histoire. Donc là, on a activé la. On va commencer à activer les distributeurs. Distributeurs. Qui marche sur le même principe que dans Borderlands 1, puisque de temps en temps, enfin c'est pas de temps en temps, c'est à chaque fois même, on va avoir l'item du jour et on aura 20-30 minutes pour l'acheter, je sais plus comment c'est le temps. Et si on l'achète pas, on va passer tout simplement à côté. Voilà. Donc là, je vous montrerai mon bouclier légendaire que j'ai chopé sur le boss de fin, qui octroie pas énormément d'armure, 3100. Bon, plus les bonus 3200 et quelques. Mais il a une capacité extraordinaire de pic corrosif. C'est-à-dire que quand un mob va m'attaquer au corps à corps, il va se prendre des dégâts corrosifs direct dans sa tronche. C'est exceptionnel. Comme moi, j'aime beaucoup ce système. Étant donné que je suis sniper, c'est plutôt sympa. Ça permet de faire un des défis, tuer des mobs sans rien faire en fait, en dégâts directs quoi. Voilà, donc là il me refile un bouclier. Et donc chapitre 3, le meilleur sbire du monde. Voilà, donc ça va commencer les quêtes principales, les quêtes secondaires. Donc là on est parti, voilà, là c'est vraiment, on va dire que le gros de l'aventure est lancé. Avec Hammerlock et le but ça va être de rejoindre Sanctuary. Voilà, et la première quête c'est de tuer des Garrogos qui se trouvent encore aux heures de la ville. Et avant de faire la quête, je vais vous montrer un petit peu le quick change. C'est nouveau puisque ça permet de changer de tenue et de tête. Donc là, ouais, j'ai pris la tête, je sais plus comment elle s'appelle, là de assassin ou je sais pas quoi, là. Enfin bref, j'ai pris une tête plutôt sympa, épique, que j'ai trouvé sur un boss secret. Mais on a droit à plusieurs têtes, on peut changer son personnage, ce qui est plutôt sympa, puisque dans le 1, on avait tous la même tronche.
Donc c'est plutôt agréable de voir des persos différents. On peut aussi donc changer l'apparence du personnage, donc la combinaison, la couleur de la combinaison. Il y en a plein, hein. Franchement, je pense pas les avoir toutes débloquées, mais j'en ai déjà un bon paquet. Il y a de toutes les couleurs, chacun y trouvera son compte. À ce niveau-là, c'est super sympa. Et moi, j'utilise la tenue Vladov, en rouge et noir, là. En rouge et noir, pardon. Plutôt sympa. Et le Quick Change peut aussi... reset, voilà, je cherchais le mot, les points de talent, des herbes de talent. Voilà, on peut reset ses talents, c'est plutôt sympa, c'est payant, il me semble, mais bon, voilà. On a toujours le distributeur de munitions, le distributeur de soins et de boucliers, et le distributeur d'armes qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est toujours Marcus qui s'occupe des armes et munitions, et le fameux Dr. Z qui s'occupe de la vie et des boucliers. Donc là, on va les diriger sur le distributeur de Z. Ah oui, et le distributeur de Z permet aussi d'acheter les modes de classe. Et le distributeur de munitions permet d'acheter les modes de grenade. Voilà pour la petite info. Donc là, bah, on va aller dégommer du gros Garogo. Au passage, j'ouvre la porte qui mène à l'extérieur, parce qu'il faudra le faire de toute façon. Voilà. Je prends un petit peu d'avance. Et donc voilà la première zone à nettoyer, le cimetière où les Garogos ont pris, sont habitent. Donc là le sniper sans lunettes, il faut vraiment viser la tête. Et je vous ai pas parlé du pouvoir de zéro qui est merdique. puisque comme vous pouvez le voir, j'ai lancé en fait un hologramme de moi-même. Qui est un leurre en fait tout simplement. Et pendant que le leurre fait semblant de se bastonner, moi je suis invisible et je peux me déplacer derrière les dos des ennemis et tout ça. Et mon prochain tir en étant invisible sera beaucoup plus puissant. Voilà. Personnellement, pour attaquer, je m'en sers jamais. Quand je m'en sers, c'est quand je suis dans la merde. Voilà. Quand mon bouclier est assez, j'utilise ma capacité pour me barrer vite fait, bien fait. Mais franchement, je préfère largement Sanguine du sniper Mordecai qu'on retrouve dans Borderlands 1, qui était beaucoup plus sympa et qui était, voilà, elle pouvait faire. On pouvait lui mettre un peu l'élément qu'on voulait, on l'envoyait, elle faisait du feu, du corrosion, elle pouvait faire l'électricité pour enlever les boucliers directs. Elle était vraiment sympa la petite chouette là. Enfin l'aigle plutôt. Là personnellement l'hologramme de Zéro est assez merdique. Le seul petit avantage par rapport aux autres classes, c'est qu'on peut l'utiliser régulièrement. Le pouvoir se recharge assez vite comparé aux autres classes. Donc voilà, c'est son seul avantage, mais je préfère largement avoir la tourelle du commando ou les techniques de stase de la sirène. Mais bon, c'est pas très grave. Et si vous avez regardé mes vidéos sur d'autres FPS, notamment le test de Red Orchestra ou autre, j'ai toujours dit que dans les jeux FPS, j'étais pas très doué au snipe et que j'aimais pas trop. Plutôt mitraille et tout ça. Mais croyez-le pas, sur Borderlands, en snipe, je me régale. Bon, je suis pas exceptionnel, mais j'adore. C'est vraiment le seul FPS, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est vraiment le seul FPS où j'aime bien le sniper. Quoi. Parce que dans le 1, bah, j'avais fait le sniper aussi. Là, je refais le snipe. Bon, je ferai bien entendu les autres personnages, certains. Le seul que je ferai pas, je pense que ce sera le commando. Parce que bon, je suis pas. J'aime bien son pouvoir, mais moi, je suis pas trop fan. Et la classe que j'attends vraiment dans Borderlands 2, c'est, je me rappelle plus de comment ça s'appelle, mais c'est la première classe qu'on va avoir, puisque les développeurs de Gearbox vont sortir une nouvelle classe dans les DLC, dans les futurs DLC. Donc je sais plus comment elle s'appelle, je vous l'écrirai peut-être en annotation. Et c'est une classe assez prometteuse, donc voilà, j'attends d'en voir un peu plus pour vous donner plus de détails. Voilà pour la petite info encore pour les DLC. Donc là,
j'allais dire Mordecai, mais Hammerlock nous donne deux quêtes supplémentaires. Si je première quête, réparer un ascenseur. Donc là, réparer un ascenseur pour monter à la boutique pour acheter un bouclier. Ce qui est assez débile, puisque le bouclier, il m'en a filé un tout à l'heure. Et en fait, la tuque de Z derrière est activée. Donc je peux en acheter un directement à la boutique de Z. Alors qu'en fait, là, il nous demande de faire tout un business. Bon, c'est pas très grave, c'est une quête comme une autre au final. Mais c'est vrai que là, sur le coup, j'ai pas tout compris. Et là, je m'étais fait avoir. Puisque j'ai parlé au claptrap et il fallait pas. Parce qu'en fait, le claptrap, le but c'est de l'escorter. À un endroit qu'on verra plus tard dans, dans l'aventure. Et en fait là moi j'étais parti pour faire les quêtes secondaires et du coup j'étais obligé de suivre le claptrap pour le défendre et du coup j'ai dû aller nettoyer les petites zones qui sont juste après. On s'est pas beaucoup causé depuis que je t'ai fait la peau. Hey, tu penses Jack, que tu vas te transformer en bonhomme de neige. Qui nous raconte non, encore sa vie. Les bandits t'attraperont avant. Ma journée à moi, pas mal. Je me suis acheté bah là, un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin tu vois c'est cool. Ok, bye. Donc là c'est parti pour le grand ménage des bandits. Donc j'ai pas parlé de la deuxième quête de d'Hammerlock, c'est de tuer les garogos au corps à corps pour avoir des pots de garogos. Et là, en tuant un des bandits, j'ai chopé, enfin je vais choper, on voit le petit point d'exclamation jaune sur la minimap en haut à droite, une quête secrète, enfin c'est pas vraiment secrète parce qu'elle est facile à voir, mais de temps en temps on va avoir des petites quêtes comme ça qui vont tomber des mobs. Donc c'est un journal écho de Pierce, c'était un personnage important dans Borderlands 1. Et le but ça va être de retrouver des journaux échos dessinés dans la map qui sont assez faciles à trouver, mais c'est une quête en plus. Donc là j'en avais un petit peu marre, je fonçais un petit peu dans le tas. Hop, petite tête à lui. Hop là. Ouais, donc là j'ai nettoyé, il me semble, la première zone. Le claptrap qui fait pour rien. Allez, on s'en fout. Excellent, le claptrap. Donc là, un petit peu d'humour gras de la part du beau Jack. Face de paix en ton honneur. Mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de étalon du cul? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Voilà, donc bon. Deuxième petite zone à nettoyer. Le gameplay, enfin le premier épisode s'arrêtera là. Donc j'espère que en tout cas que j'ai été plutôt bon dans le gameplay en voix off. Car je suis pas du tout habitué. Donc là, un autre petit dernier, petite question avant que le gameplay se termine, enfin la partie se termine, l'épisode. Des mobs sont rajoutés dans le parcours chasseur de team, notamment ce genre de bandits en armure qui ne sont pas dans le parcours. Je prends un niveau au passage après l'avoir tué. Donc il n'y aura pas que ce genre de mob en plus dans le parcours 2, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais je sais qu'il va y avoir des créatures, des bandits, etc. plus puissants, donc en armure, etc. plus difficiles à battre. Donc c'est plutôt sympa de faire ça, de rajouter des mobs en plus. Donc là, je pensais avoir fini de nettoyer la zone, mais il y avait la deuxième vague qui va arriver incessamment sous peu. Voilà, donc en tout cas je reviens sur le commentaire en voix off, les deux premiers épisodes seront en voix off, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Je fais comme je peux, car moi comme vous savez je préfère la spontanéité du direct, parce que là je sais ce qui va se passer en fait, donc bon c'est pas forcément très représentatif, mais bon étant donné que c'est le parcours 2, je n'ai pas pu recommencer les quêtes que j'avais déjà fait, etc. Il m'aurait fallu refaire un personnage, refinir le jeu, etc. Donc c'est un peu trop compliqué. Voilà, j'ai opté pour la voix off. Je peux être au choix, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donnez-moi votre avis dans les commentaires de la vidéo. Si ça vous plaît ou pas, si je continue, si je me lance dans l'aventure, etc. Parce que vraiment, je veux. Ça va me demander beaucoup de boulot, je vous ai dit plus de 80 épisodes c'est certain, donc voilà, donc franchement j'ai besoin de votre avis,
C'est très important. Donc là, petite surprise avant de vous quitter. Je vous avais dit que j'avais trouvé un bazooka de 14 000 de dégâts dans le parcours 1. Et là, je trouve un bazooka avec beaucoup plus de dégâts, mais ça sera dans l'épisode 2. Voilà, donc bah, le gameplay va toucher à sa fin. En tout cas, moi, merci, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.